Bonjour. Eh bien, ce truc d'animation est un petit peu particulier puisque je vais vous proposer une expérimentation à laquelle vous pourrez participer. Et du coup, faire sa part, participer, eh bien, je crois que c'est le truc d'animation idéal pour rendre un hommage à Pierre Rabhi qui nous a quittés il y a tout juste une semaine et on pense très très fort à lui. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, eh bien, on va voir une expérience pour passer à l'échelle la coopération. Alors, la coopération en réseau, c'est à des seuils, hein, mais on va essayer de voir comment ces seuils se sont élargis petit à petit. Alors au début, eh bien, on savait faire des petites équipes de projets, hein, de 3 à 12 personnes, donc 3 parce que 2 c'est interpersonnel, et 12 parce que ben, il y a une limitation, hein, on en a déjà parlé dans plusieurs trucs d'animation. Et finalement, eh bien, depuis à peu près 20 ans, on commence à savoir faire de façon reproductible des communautés de projets à partir d'une centaine de personnes jusqu'à à peu près quelques milliers de personnes. Et depuis une dizaine d'années, eh bien, même s'il y avait déjà des communautés avant, comme justement les colibris de Pierre Rabhi, eh bien, on commence à savoir comprendre et faire de façon reproductible des écosystèmes de communautés de projets. Vous voyez qu'il y a différents niveaux, à 3 niveaux, puisque on part des projets, puis les communautés, et après on va les mettre en réseau, comme d'ailleurs les communautés locales qui elles-mêmes ont leurs propres projets dans l'écosystème que représentent les colibris, ou dans Wikipédia ou d'autres choses. Et là, on est à peu près entre 10 000 et avec une sorte de plafond de verre quand même à quelques centaines de milliers. Alors on en avait parlé dans pourquoi les groupes en archipel sont une bonne idée. Et finalement, eh bien, on va essayer de voir, et pour aider à aller un peu plus loin, eh bien, on s'est associé avec plusieurs communautés de ce que j'ai appelé l'archipel, si vous voulez, de tout cet écosystème, de toutes ces communautés qui s'intéressent à la coopération, l'intelligence collective, la facilitation. Et donc, avec aussi bien le groupe facilitateur-facilitatrice, la Nuée et d'autres groupes, eh bien, on va essayer d'organiser quelque chose pour rendre service à toutes les autres communautés, façon à faire faciliter les échanges entre nous. Alors, déjà, qu'est-ce qui va voyager entre les groupes, entre les communautés en général? Eh bien, ce qui va voyager, c'est des projets. C'est-à-dire, en fait, il y a des projets qui sont faits. Alors, je vais prendre un exemple. Je pense à Raphaël qui lance un projet qui s'appelle le Grand Tournant, qui va être une grande fête le 20 février 2022. Donc, j'en profite pour faire petite pub copinage. Et cette fête, eh bien, c'est pour montrer que finalement, eh bien, non. Bien sûr, il faudrait changer des tas de choses, mais il y a déjà des tas de choses qui ont changé dans le monde, et c'est pour se montrer à nous-mêmes tout ce qui se passe. Donc l'idée, eh bien, c'est qu'il y ait plein d'événements dans le monde. Alors il a commencé à lancer son projet au sein de la communauté de la Nuée, mais évidemment ça limite le nombre de personnes. Et si ça, il y avait d'autres personnes, d'autres communautés, c'est intéressant. Donc finalement, eh bien, Raphaël a tout à fait intérêt à ouvrir son projet, pas simplement à une communauté fermée, mais à d'autres communautés le plus largement possible. Alors, on avait vu effectivement à quoi sert un porteur de projet, eh bien, comment on va pouvoir effectivement avoir ces porteurs de projet qui vont être vraiment les pierres ouvrières de ce qui se passe dans la coopération. C'est-à-dire que c'est vraiment les projets qui vont faire des choses concrètes et les communautés vont permettre de mettre en lien, en réseau ces projets et on va avoir un certain nombre comme ça de choses. Mais si certains projets, peut-être pas tous, hein, puisqu'il y a certains projets qui n'ont pas forcément vocation à ça, mais commencent à s'ouvrir à d'autres communautés, eh bien, on va avoir différentes choses. C'est le cas aussi d'un autre projet qui a été lancé par Christelle sur les modèles économiques de la facilitation. Et bien déjà, les invitations aux rencontres se font tout à fait naturellement à la fois sur la Nuée et à la fois sur le groupe facilitateur-facilitatrice sur Facebook. Alors, deuxième acteur qui va servir pour ce passage à l'échelle, eh bien, ce sont des facilitateurs. Alors, les facilitateurs, eh bien, ils sont là pour aider les porteurs de projets à envoyer des invitations courtes. Et alors, ils vont le faire. L'idée, c'est qu'ils le fassent sur la Nuée, qui est un groupe où il y a déjà beaucoup de connecteurs. On va en parler tout de suite. Et donc, finalement, eh bien, on a déjà une dizaine de facilitateurs du groupe facilitateur-facilitatrice qui se sont formés aux méthodes de la facilitation de communautés de projets en réseau, dont on parle d'ailleurs là-dedans. Et on avait décrit ça dans à quoi sert un facilitateur de communautés en réseau, et avec ça, eh bien, on va avoir donc des facilitateurs qui vont aider les porteurs de projets à envoyer des invitations très courtes, parce que l'idée, c'est pas de discuter sur toutes les communautés, là, ça passerait pas du tout, mais de plutôt inviter à des rencontres en ligne ou en présentiel, hein, qui peuvent intéresser plusieurs communautés. Et le facilitateur est là pour aider à envoyer un message le plus court possible, de manière à ce qu'il soit lu. En général, vous connaissez maintenant la règle. Eh bien, si je pense que le message, je vais le lire en moins de 2 minutes, je vais le lire. Sinon, il faut vraiment que je sois très intéressé par le message, ou je le dirai demain, c'est-à-dire jamais. Et donc, le facilitateur va appeler régulièrement des porteurs de projet qui acceptent de jouer le jeu pour savoir s'il y a une rencontre, les aider à développer les invitations, etc.
Et puis le troisième acteur, eh bien on en a parlé là, juste dans le précédent truc d'animation, ce sont les connecteurs. Alors eux, leur but, eh bien, c'est de relayer des informations entre plusieurs communautés. Donc il va y avoir des invitations sur la nuée, donc petite communauté qui ne comprend d'ailleurs que 200 personnes, donc vous voyez, c'est mais principalement beaucoup, beaucoup de connecteurs d'ailleurs, de gens qui sont déjà dans plein de communautés. Et eh bien, ils vont pouvoir prendre les invitations qui leur semblent pertinentes, hein, uniquement celles qui lui semblent bien pour leur communauté, et puis les propager, tout simplement. C'est-à-dire que le porteur de projet accepte de cueillir d'autres personnes dans son projet, comme les exemples que l'on a donnés, et puis ben, le connecteur eh bien, va inviter d'autres communautés, et d'autres personnes auront le lien pour si c'est une visio, ou l'adresse et le lieu, la date évidemment, pour si c'est une réunion en présentiel. Alors, pour les connecteurs, on a, eh bien, on va, pour l'instant, on commence déjà avec une douzaine. Hein, on a commencé la semaine dernière, donc vous voyez, c'est tout petit. Et l'idée, c'est de maintenant, avec ce truc d'animation, eh bien, d'élargir les choses. Donc là, déjà, il y a une douzaine de communautés, mais ça représente déjà 50 000 personnes. Donc, en l'espace de très peu de temps, on est déjà à 50 000. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin pour dépasser les plafonds de verre de quelques centaines de milliers pour arriver à faire des choses. Donc, évidemment, eh bien, on va essayer de rassembler notre connecteur. Alors, pour bien comprendre le rôle de connecteur, au sein entre les communautés, donc pour faire des sortes de bateaux entre les îles de l'archipel, si vous voulez, eh bien, on avait parlé des connecteurs pour relier les groupes entre eux, et donc lors du dernier truc d'animation. Alors voilà nos trois acteurs, et maintenant, eh bien, comment vous allez pouvoir participer? Eh bien, il y a deux cas de figure, en fait. Soit vous avez déjà un projet, alors vous avez un projet collectif, hein, alors ça peut être un projet que vous faites seul. Alors, il faut que ça soit quand même un projet, évidemment, pas trop local, puisque il y aura peut-être d'ailleurs ce genre de mécanisme-là qui se mettront en place sur des territoires donnés. Mais là, l'idée, c'est des thèmes, on a parlé de des modèles économiques, on a parlé de faire une grande fête pour se montrer à nous-mêmes tous les projets que l'on fait, mais on peut parler aussi, par exemple, de l'impulsion de la bienveillance, enfin, d'autres projets déjà qui existent, hein. Il y a aussi un projet qui se lance lors du congrès d'intelligence collective organisé par Vision Collective le 1er avril 2022, eh bien, avoir un espace pour pouvoir développer des choses. Donc il y a un projet autour de ça aussi. Vous voyez, des choses un petit peu génériques. Eh bien, si les porteurs de projet souhaitent ouvrir, alors ponctuellement une fois, ou alors tout le temps, hein, donc par exemple dans le cas de Raphaël dont je parlais sur le grand tournant, eh bien ça peut être intéressant qu'à chaque rencontre, tous ceux qui veulent organiser des événements le 20 février 2022 bah, bénéficient de ce mouvement en fait que l'on va avoir au niveau mondial pour profiter effectivement de la visibilité pour tout le monde. Eh bien là, il peut ouvrir tout le temps. Puis peut-être que votre projet, de temps en temps, ça vous dites, bah tiens, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, non, je voudrais l'ouvrir simplement, ça peut être ça. Et évidemment, le principe aussi, c'est que ce que vous produisez, ça soit du partage en bien commun, ce que Laurent Marceau appelle du partage sincère, de manière à pouvoir évidemment faire en sorte que ce que vous produisez, ça soit pas simplement pour ceux qui ont participé, mais aussi pour tous les gens, un petit peu comme on a l'encyclopédie Wikipédia qui bénéficie à tous les gens, y compris ceux qui n'ont pas écrit dedans. Eh bien, pareil. Alors, si vous avez un projet comme ça, eh bien, vous pouvez effectivement me contacter, vous allez voir un petit peu comment tout à l'heure. Et puis, le deuxième cas de figure, c'est si vous faites partie d'une communauté et que vous dites dans cette communauté j'ai un moyen de pouvoir écrire. Alors si c'est une lettre d'information une fois par mois ça marche mais pas très très bien, mais si vous avez par exemple une liste ou alors un groupe sur les réseaux sociaux ou alors un groupe sur lequel vous avez des moyens de donner de transmettre des messages courts de temps en temps, eh bien pourquoi ne pas transmettre les invitations qui vous sembleraient pertinentes pour le groupe. Alors pas forcément toutes, hein, mais celles qui vous semblent intéressantes, bah tiens voilà, vous pouvez proposer aux membres de votre communauté de le faire. Et pour ça, eh bien c'est très simple, il vous suffira de vous inscrire sur la nuée, et puis lorsque vous voyez une invitation qui est bien, vous faites un copier-coller, vous le mettez n'importe où. Alors, on avait parlé il y a très longtemps dans Silonet que l'Internet était un peu coupé, puisqu'en fait, on ne peut pas discuter entre Facebook, LinkedIn, pas très bien avec le mail, etc. etc. Donc, c'était un petit peu compliqué. Ben là, avec des humains, c'est très facile, on fait un copier-coller et on diffuse simplement les 3 lignes que représente une invitation pour dire qu'est-ce que c'est, la jour, la date, l'heure, le lien éventuellement ou le lieu, et puis un petit message du genre vous êtes les bienvenus. Vous voyez, bien ce petit message très court, il suffit de le diffuser dans votre communauté. Alors évidemment, encore une fois, sur les invitations qui vous semblent pertinentes. Donc c'est pas un engagement à diffuser tout, mais un engagement à être là, et puis voilà, si vous trouvez quelque chose d'intéressant, ben, vous le faites tout simplement. Alors, à vous de jouer.
À vous de jouer maintenant, et effectivement, vous allez pouvoir contribuer à ce système où l'idée, c'est de faire en sorte que ce qui se passe dans les communautés, certaines choses, eh bien, circulent d'une communauté à l'autre. Ça va permettre aussi de se connaître entre communautés, hein. On avait vu la dernière fois avec Lorenzo que toutes les semaines, il va présenter une communauté nouvelle sur Lorenzo Connector, hein, je vous avais donné le lien. Eh bien, là, l'idée, c'est de dire, voilà, pourquoi ne pas participer? Alors, soit vous êtes porteur de projet. Alors, dans ce cas-là, mettez-moi dans les commentaires que vous lisiez cette vidéo sur YouTube, sur mon blog, sur Peertube, sur Facebook, sur LinkedIn, quel que soit l'endroit, je le lirai, rassurez-vous. Et puis, mettez-moi en commentaire le nom de votre projet, peut-être une petite phrase de description, ça aide, et votre contact. Manière à ce qu'on puisse vous contacter, et moi je ferai simplement l'intermédiaire pour vous mettre en contact avec des 10 facilitateurs qui sont prêts à faire les choses. Alors, évidemment, à ce stade-là, on ne va pas avoir 2000 projets, ce n'est pas forcément l'objectif, c'est plutôt des projets qui peuvent s'étendre et peuvent circuler entre les communautés. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près structuré pour en accueillir une quarantaine avec une dizaine de facilitateurs. Et puis surtout, si vous êtes déjà dans une communauté et que vous pensez que votre communauté, ça peut être intéressant que des membres de votre communauté puissent participer aussi à des projets qui vont les enrichir sur les modèles économiques, sur la bienveillance ou sur n'importe quel autre sujet qui sera ouvert, eh bien, indiquez-moi votre communauté dans le lien. Et en plus du nom de votre communauté, indiquez-moi aussi l'ordre de grandeur de sa taille. Alors, c'est juste pour avoir un petit peu un ordre de grandeur justement de qu'est-ce que ça donne lorsqu'on commence à faire des mises en réseau d'écosystèmes, de communautés, de projets. Et donc c'est tout à fait intéressant de pouvoir se compter, même si, encore une fois, vous n'allez pas forcément diffuser toutes les invitations, mais ça veut dire qu'un projet qui peut intéresser pas mal de monde peut potentiellement toucher un certain nombre de personnes. Donc donnez-moi aussi la taille de votre communauté, et puis moi je vous indiquerai comment recevoir ces invitations assez facilement, et puis vous arrêter à n'importe quel moment aussi, hein, puisque en fait, on est vraiment libre, c'est pas du tout un système centralisé, bien au contraire. Et avec ça, eh bien, on pourra, je vous dirai aussi un peu régulièrement, la taille de cette mise en réseau des archipels, des écosystèmes de communautés, de manière à voir comment, eh bien, on va collaborer entre nous, de façon light, simple, hein, en fonction des envies de chacun, simplement de participer ou non à un projet auquel d'autres personnes, d'autres groupes participent. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Ça aide vraiment ces vidéos à se développer, à être plus visibles encore plus, même si maintenant vous commencez à être assez nombreux. Alors, si je cumule l'ensemble des réseaux sociaux, des blogs, des Peertube, des YouTube, etc., sur lesquels ces vidéos sont diffusées, on commence à être déjà aussi assez nombreux. Mais n'hésitez pas effectivement à commenter, ça aide. Et puis, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore, télécharger le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous après les fêtes, puisque en fait là on arrive aux fêtes de Noël, donc l'année prochaine, en début d'année. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.